Évidemment, là, on ne le voit pas physiquement. Il me dit, à cause du péché que vous avez commis sur la terre, c'est alors que vous avez excité ma colère, je frapperai les habitants de la terre, jusqu'à ce que la terre vont reconnaître que je suis l'Éternel, et toute la gloire, la divinité, la puissance me reviennent. Et il me dit, voici les causes qui attireraient cette pandémie sur la terre. Première chose, il parle de la parité. Genèse. Genèse chapitre 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Il me dit, depuis que je crée le monde, je crée la femme sous l'autorité de l'homme. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. À cause de la parité que vous avez choisie sur la terre, c'est pour ça que vous avez excité ma colère. Première abomination, il a parlé de la parité. À ce moment-là, moi, je voulais discuter, donc j'étais comme un intercesseur des hommes de la terre. Je disais, Seigneur, non, la parité c'est bien, c'est pour aider les femmes, pour éviter l'esclavagisme. Il m'a donné ces versets. J'ai dit à la femme que c'est l'homme qui doit dominer sur toi. À cause de la parité, vous avez excité ma colère, je frapperai les habitants de la terre. C'est une abomination à mes yeux. Et deuxième chose, il me dit, le divorce et le remariage. Divorce. Amen. Voilà, Matthieu chapitre 19. Je prends le verset 3. Les pharisiens l'abordaient et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit de répudier, vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était point ainsi. Mais je vous dis que quiconque, que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité et qui épouse une autre, commet un adultère. Vous pouvez encore ajouter Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, verset 1 à 10. Il me dit deuxième chose. À cause des divorces, tous les gouvernements mondiaux ont choisi la loi des divorces, que l'homme et la femme, si ça ne tient pas, vous pouvez vous séparer. Alors que la parole de Dieu nous dit, sauf cas d'infidélité. Et ce n'est pas à la femme de chercher le divorce. Le divorce n'a jamais été institué pour l'adultère de l'homme. Non pour que, parce que l'homme a commis l'infidélité, la femme doit chercher le divorce. Ou si nous lisons dans les principes de la parole de Dieu, on dit sauf au cas d'infidélité. Mais dans le livre de Luc, Jésus n'a pas dit pour l'infidélité. Il a dit seulement que celui qui répudie sa femme, épouse une autre, commet l'adultère. Point barre. Et si nous prenons d'autres versets de la Bible pour comprendre simplement que Dieu n'est pas pour les divorces, Dieu ne les souhaite pas. Tant de raisons à cause de ces choses, à cause de ces lois choisies dans le monde,
C'est pourquoi ces choses ont excité la colère de Dieu. La loi des divorces qui a été permise par tous les gouvernements de ce monde, adoptée par certaines églises, pour ne pas citer les noms, par certaines églises qui ont accepté cette loi des divorces. Je ne donnerai pas des raisons de divorce. Souvenez-vous, lorsqu'on parle de l'enfer, nous avons trouvé des hommes qui ont même dit « Seigneur, j'ai supplié ma femme avec une autre personne ». Mais cet homme s'est retrouvé en enfer pour dire la volonté de Dieu et que les gens puissent rester ensemble jusqu'à la mort. Quand vous vous engagez pour la vie. L'autorité de l'État, c'est bien. Mais sachez-le bien, Jésus a dit, ce sont des principes sataniques que le diable a envoyés. Et ces lois ont été imposées. Souvenez-vous, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, la Bible parle comment la bête va monter sur la terre. Sera un domaine où le diable va contrôler le monde par le pouvoir du gouvernement mondial. Voyez comme le gouvernement a imposé la loi, que toutes les églises soient fermées. Directement, les églises sont fermées. Ce sont des voies que le diable a choisies. Dieu n'utilise pas la force. Dieu utilise la croyance. Si seulement vous acceptez, Dieu vous accepte aussi. Si seulement vous acceptez la parole de Dieu, Dieu vous sauve. Mais le diable utilise maintenant la force. Il va imposer des lois dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent dans ce monde entier. Sache-le bien que si toi, tu as fait des divorces dans ta vie, tu es cause de cette virus dans ce monde. Tu es cause de cette pandémie dans le monde. Et si toi, tu es épargné, Dieu t'a épargné simplement pour se repentir. Bien-aimé, fais beaucoup d'attention. Si tu as fait des actes pareils, tu t'es séparé avec ton homme, ta femme, ainsi de suite, réconciliez-vous. Il n'y a pas un domaine de demander pardon ou de donner l'offrande à l'église. Mais si cette pandémie est venue sur la terre à cause de cet acte de divorce que toi tu as commis, pensez-y à ton jour où tu seras en enfer. Il me dit, troisième chose qui a tiré cette pandémie sur la terre, c'est l'intelligence artificielle. Dans cette intelligence artificielle, il a dit que les hommes sont souvent accros à ces choses. Les téléphones que nous utilisons, il n'y a plus place de lire la Bible. Vous passez 3 heures, 4 heures du temps, presque toute la journée, sans passer à Dieu. Et si nous remontons plus loin, nous voyons que cette intelligence artificielle essaye de renverser tout le principe de la nature. Or, lorsque Dieu a créé le monde, il a vu que toute chose était bonne. Mais lorsque l'homme a commencé l'invention, il veut s'opposer à la loi de la nature. Ils veulent tout détruire, même ignorer l'existence de Dieu. Voyez comment les hommes sont loués. Les hommes du monde ont créé un fusée pour aller dans le ciel ou dans l'espace. Mais Dieu nous amène au ciel au moyen de sa parole. L'homme va passer tout son temps en suivant les choses de cette vie, alors que Dieu nous appelle. Dieu nous dit que le monde sera détruit. Un jour, il y aura la vie éternelle. L'intelligence artificielle s'est élevée pour empêcher l'église de Dieu ou les hommes du monde de comprendre l'existence de Dieu. Maintenant, c'est la gloire de l'homme. Il me dit, l'ère où vous vivez, c'est l'âge de l'homme. C'est l'âge où tout ce que l'homme fait et glorifié. Maintenant, nous estimons ce que les hommes font au lieu d'élever l'Éternel qui a créé toutes choses. Nous rendons gloire aux hommes. Nous rendons gloire aux musiciens de ce monde. Nous rendons gloire aux politiciens, aux présidents de la République, aux savants, ainsi de suite, au lieu que la gloire soit rendue à notre Créateur. Voyez, dans cette intelligence artificielle, a permis le football, a permis beaucoup de choses dans ce monde. Beaucoup de sports sont loués aujourd'hui. Nous louons des sportifs au lieu de louer l'Éternel. À cause de ces choses, cela a attiré la pandémie dans ce monde. Après cela, il me dira encore, l'autre chose qui a attiré la pandémie dans ce monde, c'est les avortements. Amen. Si tu as versé des sangs humains, sache-le bien, que Dieu t'appelle à la repentance. Je ne suis pas venu te dire des choses qui vont te condamner, mais je te dis simplement que Dieu t'avertit de faire attention. Et vous, partout où vous nous suivez, regarde bien, bien-aimé, aujourd'hui, les lois des divorces sont adoptées dans tous les pays du monde. Les femmes sont libres. Tu peux avorter comme tu veux, alors que nous commettrons de meurtres sur la terre.
Et la parole de Dieu dit, le maîtrier n'hériteront point les royaumes des cieux. Amen. Il me dit encore, la cause de cette pandémie, c'est maintenant le faux évangile. À cause de cette fausseté de l'évangile prêché aujourd'hui, c'est pourquoi la pandémie est venue dans le monde entier. Je dis, Seigneur, mais nous essayons de prêcher la vérité. Ésaïe 50, psaume 51. Psaume 53. On dit ceci, je lis au nom de Jésus. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils sont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il me dit, à cause des faux enseignements prêchés aujourd'hui dans le monde entier, la fausse évangile qui est prêchée dans toutes les églises du monde entier, c'est ces choses-là qui excitaient ma colère et j'ai envoyé cette pandémie sur la terre. Il insistait encore, un tiers de la population mondiale vont périr. Je dis, Seigneur, mais quelle est cette fausse évangile? Première chose, le Seigneur me parle de l'évangile de la prospérité. Il me parle de cet évangile de la prospérité qui n'a jamais été instituée par les apôtres. Il me dit le fondement de l'Église, c'est d'abord l'enseignement des apôtres et des prophètes. Il dit si ces choses n'ont jamais été instituées, si ces choses ne sont pas doctrinalement fondées par la parole de Dieu, ces choses-là amènent à l'enfer. La fausse évangile. Deuxième chose, il me dira, l'évangile qui plaît aux hommes. Ésaïe. Amen. Ne pense pas que je suis contre toi. Je ne dis pas que tu ne seras pas béni. Amen. Je parle de cet évangile de la prospérité. Il fait maintenant en pleurs dans le chapitre 30. Je prends les versets 8. Je lis jusqu'au verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Va maintenant écrire ces choses devant eux sur une table. Gravez-les dans un livre, afin qu'ils subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas. Aux prophètes, ne nous prophétise pas de vérité. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence les saints d'Israël. Amen. Ici, quand on lit, bien-aimés, vous avez compris que là, ce sont maintenant des fidèles qui disent au pasteur, ne nous enseignez pas la vérité. Combien de fidèles quittent les églises lorsqu'on lui dit que le péché amène à l'enfer, lorsqu'on lui dit que Noël amène à l'enfer, lorsqu'on lui dit que les cabelles amènent à l'enfer, lorsqu'on lui dit que les cheveux tressés amènent à l'enfer, lorsqu'on lui dit que les bijoux, ainsi de suite, toutes ces choses amènent à l'enfer. Combien de gens ont quitté les églises? Et les pasteurs aujourd'hui maintenant sont contraints d'enseigner les choses qui plaisent aux gens. Il laisse le fidèle venir à l'église porter des pantalons. Il laisse le fidèle venir à l'église porter des bijoux. Pourquoi s'il ose de dire la vérité, ces gens-là vont quitter? Répondez. Ces gens-là vont quitter les églises. Voyez toutes les églises qui ont laissé les femmes se maquiller, porter des bijoux. La porte des vêtements somptueux parfois, des vêtements aussi sexy. Ces églises sont peuplées. J'ai regardé à la télé, j'ai vu une femme d'un prophète d'un autre pays, que je ne vais pas citer les noms. Un prophète connu, sa femme,
prédicatrices de leur église. Je l'ai regardé hier à la télé. La femme là, la femme prédicatrice, avec des boucles d'oreilles. C'est drôle. Amen. Oh, nous avons amené tout le bagage. À Kalingi Suki, une teinture rouge. À Katinzela Boy, Lumumba. À Zomé Natanga Lumumba. À Télémazoté à Liboso. Voyez. Lorsque vous verrez l'abomination. Voilà, Matthieu 25. Regarde. Maintenant, quel sera le rôle qui va jouer l'Église dans ces temps difficiles? Prenons d'abord Matthieu 25. On dit ceci. Matthieu 24, pardon. Le verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Il dit à cause de ces enseignements qui plaisent aux fidèles. Vous prêchez des choses flatteuses. Vous prêchez des choses flatteuses. Je dis à l'attention de tous les prédicateurs du monde entier. Qui laisse les gens venir à l'église, les gens qui commettent le mal, qui amènent à l'enfer, mais vous ne leur dites pas la vérité, vous prêchez des choses vaines, vous égarez la multitude. À cause de l'incrédulité des fidèles, votre directeur du cœur a empêché les hommes de Dieu de dire la vérité, et beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont quitté les trois chemins. Je me souviens hier, j'étais à l'église, un pasteur est venu me voir, d'une église aussi connue de notre pays. On discutait avec le pasteur. Je parlais sur l'apport des bijoux, ainsi de suite. Le pasteur m'a dit, au début de mon ministère, j'ai osé de faire ces choses. Mais c'était difficile pour payer ma maison, pour manger. Aussi, la croissance était difficile. Mais depuis que j'ai compris que dans l'église, il ne faut pas dire aux gens ces choses-là. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de fidèles dans mon église. Et il m'a dit, c'est difficile pour ton église de grandir. Tu vas souffrir, mon frère. Tu es encore trop jeune. Il faut parler des choses flatteuses, gagner beaucoup d'argent. Et un jour, quand tu seras à la fin de ta mission, tu pourrais maintenant dire la vérité. Là, à ce moment-là, si les gens quittent l'église, toi, tu as déjà moissonné beaucoup d'argent. Tu vois, à cause de la dureté des fidèles, la fausse doctrine dans les églises, il y a beaucoup de pratiques qui se passent. Regardez maintenant l'église actuelle qui prétend être l'église universelle, qui ont l'air représentants. Ils ont accepté les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Après, il me dira encore, après la fausse évangile, le Seigneur me dit encore, c'est à cause de l'homosexualité qui est le contre-nature. Romains. J'ai lu Romains chapitre 1, verset 21, je descends jusqu'au bas du verset, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ces 20 ans d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant d'hommes corruptibles, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impiété selon le convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Amen. La pédophilie a été acceptée dans le monde entier.
je dirais même imposé, imposé dans le monde entier. Et tous ces gouvernements mondiaux qui travaillent avec les fausses églises, quand vous savez, je ne veux pas citer, l'église universelle, vous connaissez tous, l'église universelle qui ont des cardinaux, qui ont des papes, ainsi de suite, vous savez bien que ces gens-là ont changé l'usage naturel des dieux. Ils ont accepté, récemment ici, ils ont accepté ces choses-là. Ils ont accepté le mariage, l'homme, femme entre femmes, l'homme entre hommes, et l'homme peut épouser l'animal, ainsi de suite. Tu peux épouser une chose, ainsi de suite. Cela est maintenant permis à l'Église. Dites-moi, où la mort a plus frappé le jugement qui est tombé. Alors, bien aimé, à cause de ces choses, cela a excité la colère des dieux. Mais il me parlait de ces contre-natifs, d'autres pratiques que les gens utilisent. Il me dit encore, Nabakoup, vous utilisez la fellation, la sodomie, des choses qui sont contraires à la parole des dieux. La femme ne peut pas sucer le pénis de son mari. Et l'homme ne peut pas faire pareil. C'est tout à fait interdit à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas utiliser des positions comme des chiens. Restons dans ce que Dieu a fait. Il est écrit que le lit conjugal soit exempté de toute... Vous voyez. Voilà, bien-aimé. À cause de ces choses, Jésus a dit, vous avez excité sa colère. Il y a même des hommes qui couchent avec leurs femmes au moment des périodes mensuelles. Il me dit, toutes ces choses-là, contre nature, excitent ma colère. Si vous les faites, femme, il m'a dit, les actes encore que vous commettez, l'introduction des doigts, l'homme va introduire son doigt dans les vagins de sa femme. La femme va caresser le pénis de son mari. Après les contre nature, le Seigneur a dit, l'impudicité qui est maintenant tolérée dans le monde entier. Et dans les catégories de l'impudicité qu'il me parlait, il a touché le couple assis sans donner le temps, payer la dot. Vous qui n'avez jamais réglé votre dot, sachez-le bien que la colère de Dieu est sur vous. À cause de ces choses-là, que la colère de Dieu s'enflamme sur le fils de la rébellion. À cause de ces choses. Il me parlait de l'impudicité permis aujourd'hui. La vie sexuelle est maintenant une vie libre. Il y a maintenant la démocratie dans le monde entier sur la sexualité. Un enfant de 16 ans, une fille de 12 ans, peut avoir des relations sexuelles sans être blâmé ou grondé par ses parents. C'est tout à fait normal. Et l'enfant peut défendre sa vie sexuelle. Il dira, maman, papa, vous ne pouvez pas entrer dans ma vie sexuelle, là c'est ma vie privée. À cause de ces choses-là, la pandémie est sur la terre. Il a touché des points, et j'ai touché que des points essentiels. Il m'a parlé encore de la politique, qui parlait de la destruction des hommes. La politique mensongère, qui est le dirigeant de ce monde, sont en train de nous diriger. Ils font d'autres choses. Il nous parle et il nous montre encore d'autres choses. La population est dans la souffrance à cause des politiciens. Et il a parlé de tous les politiciens du monde entier. Aujourd'hui, l'Afrique n'est qu'au bénéfice des Occidentaux. Pensez-y avant de continuer sur les vaccins. Je me dis pourquoi ils n'ont pas commencé à utiliser ces vaccins ou à tester ces vaccins aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne. Mais c'est ici au Congo qui veut, ou en Afrique, qui veut commencer avec leurs vaccins, sans dire d'autres choses. Mais pensez-y, bien-aimés. Ce sont des politiques sataniques. Pourquoi ? Détruire d'autres personnes pour l'intérêt des Occidentaux. Nous sommes toujours l'Afrique et à la merci des Occidentaux. Nous ne profitons de rien de ce qui nous appartient. Nous ne profitons de rien. Nous luttons chaque jour. Nous faisons chaque jour. Pensez-y sur les savants, les inventions du monde. Dis-moi,
Un inventeur africain fait quelque chose qui est loué dans le monde entier. Loin de là, bien-aimé, pensez-y. Il a parlé de la politique. Après, il a parlé du mensonge. Il dit, à cause de ces choses, le mensonge a attiré aussi cette pandémie dans le monde entier. Sa commentaire sur le mensonge, je me limite par là. Je suis chez moi, quelqu'un m'appelle. Tu es où? J'ai dit, je suis à Minza Picho. Je suis vers Rompoingaba, quelqu'un m'appelle. Je dis, je suis vers l'Ipen. Cette vie mensongère a aussi attiré cette pandémie dans le monde entier. Après, la fin, il dira, il a être chrétien qui adore les chapelets, ainsi de suite, utilisant comme dit, nous faisons la représentation de quelque chose, alors que ces choses-là aussi, Jésus était contre cela. Voyez, cette vie, toutes ces choses-là, a attiré la pandémie dans le monde entier. Au moment où le Seigneur me parlait, alors j'ai vu encore un autre ange sorti du ciel. La voix du Seigneur dit, faites la paix sur la terre, guérissez les habitants de la terre. Et j'ai vu que cet ange, lorsqu'il est sorti du ciel, il a posé ses pieds sur l'océan Atlantique. Il détenait un encensoir. Au moment où il balançait son encensoir, je voyais des médicaments sortir de son encensoir. Et je dis, Seigneur, que cela signifie? Le Seigneur me dit que cet ange, c'est l'ange de la guérison. Je l'ai envoyé pour donner la guérison dans le monde entier. Au moment où la pandémie va frapper le monde, en même temps aussi, l'ange de la guérison sera là pour guérir d'autres personnes qui seront contaminées de cette pandémie. Et le Seigneur me dit, et je lui dis plutôt, je dis, Seigneur, mais je ne comprends pas. Est-ce que les gens seront guéris par la prière, par des jeunes, par les pasteurs? Il a dit, l'ange de la guérison, le médicament que tu vois, sont des médicaments qui seront transmis à l'intelligence des scientifiques. Je ne donnerai pas la guérison de cette pandémie aux pasteurs. Imaginez, bien-aimé, depuis que ce fléau a commencé, un pasteur pouvait se lever dans le monde. Ils sont nombreux, les pasteurs les plus connus, les plus suivis dans le monde entier, qui font des miracles, qui font des prodiges. Mais regarde maintenant, tout le monde sont humiliés. Les églises, les sciences occultes, même les églises prétendent garder la vérité de Dieu, sont humiliés. Les sciences occultes sont humiliés. Les politiciens sont humiliés. Tous les domaines de la vie sont humiliés. Pourquoi? Jésus me dit, à cause du péché, l'ange de la guérison donnera pas la guérison chez les pasteurs, dans les églises, chez les occultistes. La guérison de cette pandémie viendra au moyen de l'intelligence. Je donnerai aux scientifiques, aux sages, aux intelligents, la sagesse de faire des médicaments qui seront appropriés pour guérir les gens dans cette pandémie ou dans cette maladie qui frappe le monde. Il me dit, si je n'ai pas donné la guérison dans mon propre église, il a insisté, dans mon propre église et dans des églises prétendant être de moi, c'est à cause de ces faux enseignements, à cause de la tolérance du mal que vous avez accepté dans vos églises, c'est la raison que je ne donnerai jamais la guérison de cette pandémie venant de l'église. Maintenant, tous les pasteurs des miracles, les pasteurs des prodiges, les pasteurs de la prophétie, les archibishops, les archevêques, les archépapes, tous ces gens-là qui ont des diplômes, des doctorats en théologie, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Nous avons suivi tant de prières passées sur YouTube. Nous avons entendu les gens parler. Amenez les malades chez moi, je vais les guérir. Mais nous avons besoin d'un prophète comme Élie. C'est le vent dit, je mets fin à cette pandémie. Et le Seigneur me dit que cela n'arrivera jamais. La guérison de cette pandémie vient de l'Éternel. Mais il donne la sagesse aux hommes du monde. C'est pourquoi je conseillerai à ceux qui seront atteints de cette pandémie, rendez-vous à l'hôpital. Et respectez le modèle d'hygiène que l'État nous a donné ou nous a expliqué. Ces méthodes préventives pourront vous aider aussi
à vous protéger contre cette pandémie. Mais sachez-le bien, je l'ai dit aujourd'hui, que la guérison de cette pandémie viendra qu'au moyen de la science. Pour les chrétiens, nous devons toujours prier. Prier pour toi, prier pour ta famille. Lorsque les démons voilà, vont posséder le membre de ta famille, toi, prie pour ça. Et prie encore pour que ces démons ne puissent pas posséder ta vie, posséder ta famille. Nous savons tous que l'ange de la mort est entré en Égypte pour tuer tout le monde. Mais le sang qui était sur les linteaux a permis que l'ange de la mort passe par-dessus. Et le sang-là, c'est le sang de Jésus-Christ qui peut simplement nous protéger. Demandez la protection de Dieu pour vous, pour les membres de votre famille. Mais sachez-le bien que la guérison de cette pandémie viendra au moyen de la science. Alors j'ai dit au Seigneur Jésus-Christ, mais quel sera le signe de la fin de cette pandémie? Ou quand sera la fin de cette pandémie? Bien-aimés, sans vous choquer, cette pandémie ne fera jamais un mois, ni deux mois. Ça prendra du temps. Et il m'a dit ceci, lorsque tous les pays du monde seront frappés par cette pandémie, à ce moment-là sera aussi la guérison. Mais quand seulement la maladie va arriver dans tous les pays du monde, c'est alors sera la fin de cette pandémie. S'il y a encore des pays qui sont exemptés de cette pandémie, sachez-le bien que la pandémie, la maladie sera toujours sur la terre. Mais quand vous verrez que tous les pays du monde, tous les 200 quelques pays du monde qui seront atteints de cette pandémie, sachez-le bien que la fin a commencé. Amen. 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 Voilà ce que le Seigneur m'a parlé sur la fin de cette pandémie. Acclamons le Seigneur.